Je fais toujours référence à un proverbe créole qui dit « Gader ses nourritures asiées ». Ça veut dire que, pour moi, regarder, ça fait partie, c'est un besoin. On a, je crois, 5 sens, mais celui que j'ai le plus développé, et je crois que ce que j'ai le plus appris au Beaux-Arts à Paris l'apprentissage de mon métier, c'est d'apprendre à voir. Et la meilleure façon de bien dessiner, c'est de bien regarder. Et je crois que pour tous les gens qui apprennent à dessiner, je crois que c'est le meilleur enseignement à suivre, c'est de savoir regarder. Si l'architecture est un domaine qui est pour moi passionnant, c'est parce que c'est probablement l'un des domaines où l'esthétique n'est jamais gratuite, l'esthétique rejoint toujours le fonctionnel. Et lorsqu'on parle de légèreté, légèreté des balcons, respect des proportions, unité des ouvertures, ça correspond toujours à quelque chose de fonctionnel. Si les balcons sont si légers, c'est pour laisser passer la ventilation, c'est pour laisser passer le regard. Si ces fenêtres ou ces porte-fenêtres ont une espèce de rigueur dans cette unité, c'est parce qu'à la fois, il faut laisser passer la lumière, mais à la fois laisser passer la ventilation, qui est un paramètre important dans l'habitat guadeloupéen, et puis occulter la partie basse, parce que se préserver de la vue d'autrui, de la vue de la rue. Petit à petit, empiriquement, l'architecture se fait elle-même et devient une architecture vernaculaire, traditionnelle, locale. L'architecture s'est développée en partie en dur, en partie en bois, en dur après un incendie, en bois après un tremblement de terre. Et c'est finalement de là est sortie une architecture, parfois comme c'est le cas pour cette maison, d'une maison mixte, à la fois en dur, à la fois en bois. Foudroyé par un mirage, il est séduit, il a choisi les tam-tam du paradis. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'endroit particulier à découvrir parce que cette ville, c'est un tout et elle a une personnalité avec tellement de discrétion qu'il faut faire l'effort d'aller tourner au coin d'une rue pour découvrir un détail de balcon, pour découvrir un détail de lucarne. Et le charme de cette ville, il est là, il est dans cette découverte progressive des monuments et de maisons particulières, plus modestes, mais qui méritent également d'être dans une planche de gros morts. L'histoire de l'origine a été un point fort dans l'histoire de la ville, puisque quantité d'événements importants s'y sont produits. Quand on remonte le plus loin possible dans l'histoire de la ville, c'est là que les Anglais rendent les armes quand ils essaient de s'emparer de la ville et de la garder à l'époque révolutionnaire. C'est là que beaucoup plus tard a lieu le siège, où se situe le siège de ce qui représente la France de Vichy. Et la place de la Victoire, c'est aussi quantité d'autres souvenirs agréables. La place constamment animée dans la journée prenait une vie particulière à partir de 4h de l'après-midi, puisque c'est là que tous les jeunes, de quelque âge que c'était, venaient faire ce que dans les pays espagnols,
on appelle le paseo, c'est-à-dire faisait le tour de la place pour se faire remarquer, pour remarquer. C'est autour de la place de la Victoire aussi que certains coins étaient particulièrement réservés à des individus qu'on appelle encore aujourd'hui les sénateurs, parce que c'est là qu'ils débattaient des éléments importants de la vie quotidienne et de la vie publique qu'ils faisaient et défaisaient les gouvernements, conseil général, conseil municipal, bien qu'en gros de conseil régional à ce moment-là. C'est là qu'ils discutaient aussi des cancans et des commérages qui avaient agité la ville. Tout autour de la place, il y avait de belles maisons d'architecture traditionnelle où ces dames assises sur les balcons à l'abri des marquises recevaient les voisines en même temps qu'elles jetaient un œil sur leur progéniture féminine qui se trouvait sur la place, voir si elles n'allaient pas trop loin dans un certain nombre d'initiatives. Je dois dire que l'intérêt de cette place aussi, c'était son ouverture sur la mer par la darse. Et là aussi, ce sont des éléments que je ne peux pas oublier, ces voiliers qui venaient de Saint-Barthélemy, avec les Saint-Baptes, comme on les appelait, les Babates, les gens de Saint-Martin, de Marie-Galante, et quelquefois même des voiliers qui venaient d'ailleurs, puisque je me souviens de ces bœufs qui venaient de Porto Rico, et au moment des manœuvres pour pouvoir faire sortir ce bétail du voilier, il y en avait qui s'échappaient, et alors c'était la panique à travers la ville. On disait d'ailleurs à ce moment-là, bœuf Porto Rico chapu. Alors, le bruit se propageait à travers la ville, et c'était à qui se garerait le plus vite possible pour se mettre à l'abri des cornes. C'était un peu la corrida, un peu comme dans le Pays Basque, mais là, c'était pas quelque chose d'organisé, c'était vraiment tout à fait involontaire. Et puis, ces voiles qu'on faisait sécher sur ce qu'on appelait la grande savane, c'était cette espèce de grande pelouse où il y avait des matchs de football, où les cirques montaient leurs chapiteaux. Et c'est là alors que tous ces habitants de Saint-Barth, de Saint-Martin, venaient étendre leurs voiles pour leur permettre de sécher. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier, et je crois que c'est un peu une partie de Pointe-à-Pitre qui est définitivement partie. Pas de moyens coercitifs pour forcer les gens à conserver et à améliorer. Il faut donc leur montrer, il faut parler à leur cœur, il faut parler à leur esprit. Et je crois que rien n'est plus incitatif que de montrer un certain nombre de choses. Et c'est à ce moment que la ville se livre à une politique d'acquisition, d'acquisition d'éléments forts dans le patrimoine architectural ancien. C'est à ce moment que nous achetons des maisons traditionnelles particulièrement caractéristiques de ce qu'on appelle l'architecture coloniale. Et nous faisons d'une pierre deux coups. D'une part, je le dis en passant, c'est un élément du patrimoine que l'on sauve de la vétusté et de la détérioration, mais en même temps, ça nous permet d'y mettre une population un petit peu particulière, c'est-à-dire les enfants, puisque nous mettons dans ces établissements, dans ces constructions, du fait de leur caractère exemplaire de construction traditionnelle, c'est-à-dire la maison, la cour, les communs, nous y installons des écoles maternelles. Quand on se promène dans Pointe-à-Pitre maintenant, eh bien on a la satisfaction de redécouvrir l'habitat aimé tel qu'on l'aimait du temps de ma jeunesse, puisqu'on voit refleurir des balcons, on voit les persiennes, les façades s'améliorer, la ville redevenir une ville colorée, une ville animée, et on voit beaucoup de gens qui prennent plaisir à s'attarder ou qui se promènent le soir pour découvrir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Pointe-à-Pitre, et en particulier dans la vieille ville. Autrement dit, on peut espérer que le Paris, on peut dire que le Paris n'est pas tout à fait gagné, mais qu'il est en mesure de l'être. L'avantage, la chance de Pointe-à-Pitre, c'est d'avoir
un littoral particulièrement important. Et ce que nous voulons, c'est que ce littoral puisse être vraiment la chose des Pointe-Trois, d'une part, qu'elle puisse être aménagée de telle sorte qu'elle offre aux visiteurs qui arrivent par mer un visage engageant et plaisant, et enfin que nous puissions permettre aux piétons d'en prendre possession, puisque nous voulons qu'il y ait une voie qui permette de circuler depuis le pont de la rivière Salée jusqu'à la marina. Il est vrai que ce ne sont pas les mêmes générations qui ont fait, qui utilisent et qui vont utiliser. Je crois que la gageure, c'est précisément faire en sorte que le patrimoine qui est un legs, un héritage, puisse être mieux perçu, plus aimé et donc mieux conservé. Je crois que c'est tout ça l'âme de la ville. La ville s'entretenait avec la mer depuis 3 siècles. Ses ruelles, ses sentiers, ses rues et ses avenues dénombraient les cailloux, mesuraient la patience des hommes au nombre de leurs pas, évaluaient la force de la pluie à la hauteur de l'eau, la chaleur du soleil à la soif des enfants, la tendresse de la lune aux piqûres des moustiques. La ville s'émerveillait de ses montagnes et de ses plaines, de ses vœux dilatés, des fruits insaisissables nourris par ses désirs, du frisson de ses fils devant une pinte de rhum. La ville remuait la vie et le cauchemar sur ses plages, dans la mer des Caraïbes. Les maisons grandes et petites restaient à l'écoute. Chaque mur tissait l'histoire et l'incohérence. L'ombre des arbres animait la ville. Le croyant, le vagabond éprouvait de la reconnaissance ou fomentait la subversion. Tous les propos oscillaient entre l'espérance et la peur. L'homme ne cessait de renaître de ses erreurs, de son ingratitude. La ville agissait, hallucinait. Elle passait son flambeau aux analphabètes. Elle pétrissait d'espoir les exclus, les indignés, les émeutiers et toute la foule des condamnés faute de preuves. Quotidiennement, la ville repartait à la charge pour fêler les incertitudes, infuser la vie, dictant comme une folle la loi de l'amour. Un certain blanc, un certain gris, un peu de vert. C'est comme ça que je vois Pointe-à-Pitre. Maintenant, même les couleurs aussi ont changé. On voit beaucoup de rose, on voit beaucoup on voit du bleu. Mais les couleurs restent, pour moi, les couleurs de Pointe-à-Pitre restent celles d'avant, toujours. Un peu de blanc, un peu de gris. C'est ça que je vois. J'aime beaucoup, beaucoup cette ville de Pointe-à-Pitre. Parce que mon père, mes tantes ont été en classe, ont fait leur classe, ont vécu ici. Je voulais habiter cette maison qui me semblait comme une carapace, si vous voulez, qui me semblait, qui serait pour moi, je la sentais. Je sentais qu'elle serait pour moi à la fois une carapace, c'est-à-dire que je pourrais me retirer derrière ces fortifications et qui serait à la fois aussi un nid, c'est-à-dire l'endroit où l'on couvre, l'endroit où l'on génère quelque chose. Tant qu'il y aura des gens qui protégeront, qui garderont une maison, des meubles, des arbres, un langage, tout ce qui fait un peuple, le peuple existera. Cela aussi, ça fait partie de l'existence d'un peuple. Vous savez, ce sont des îles à cyclone et à tremblement de terre où il n'y a pas grand-chose du passé tangible, un passé tangible qui reste.
qui reste, cependant, ce sont les souvenirs. Les souvenirs des gens. C'est cela nos pierres. Pendant un certain temps, il n'y a plus eu sur la place de la Victoire ces promenades, des dâs, c'est-à-dire des vieilles femmes qui gardaient les enfants, qui se rencontraient, qui transportaient les histoires, qui colportaient les histoires des hommes et des femmes qui habitaient ces maisons alentour sur cette place de la Victoire, qui commentaient les histoires de ces hommes et de ces femmes. Il n'y a plus eu ce Sénat, c'est-à-dire ces réunions intensives où l'on discutait politique, où l'on discutait de l'avenir de l'île, où l'on discutait de la beauté des femmes, où l'on discutait de tout, quoi, du repas qu'on avait mangé à midi, de tout. Parce qu'ici, si vous voulez, tant que quelque chose n'est pas dit, commenté, tant qu'on n'en a pas ri ou qu'on n'en a pas pleuré, ça n'existe pas vraiment. Il faut vraiment, c'est une civilisation du verbe, et il faut vraiment que les gens parlent. Donc, et pour parler en ville, il faut qu'il y ait un lieu. Ce lieu, c'était la place de la Victoire. Il y a une relation de voisinage qu'il n'y a pas forcément dans les villes. Les villes où j'ai été, les villes européennes, souvent sont des villes à portes et fenêtres fermées. Alors qu'ici, à Pointe-à-Pitre, c'est une ville ouverte. Les portes sont ouvertes, les balcons sont ouverts, les gens sont là. On voit les gens. Personne ne se cache, si vous voulez. La vie est offerte. Pour moi, les grands hommes et les grandes femmes, pour moi, c'est cela. Ce sont les petites marchandes de Pointe-à-Pitre qui viennent tous les jours emmener les denrées. Ce sont les petits artisans qui sont sur le port. Ce sont les petits pêcheurs qui mettent leur barque vers la marina. Pour moi, c'est ça, les grands hommes et les grandes femmes de Pointe-à-Pitre. La colonisation de la Guadeloupe date de 1635, alors que la ville de Pointe-à-Pitre a été créée à partir de l'occupation des Anglais entre 1759 et 1763, c'est-à-dire plus d'un siècle après. Auparavant, le mouillage, il y avait bien un mouillage, mais il se faisait en travers de l'île à cochons. Par conséquent, le fond du cul-de-sac où se trouve actuellement Pointe-à-Pitre n'était pas encore utilisé par les navigateurs. Les Anglais se sont rendus compte que c'était un mouillage intéressant et qu'après, avec l'occupation, la nouvelle occupation des Français, en 1764, ils ont continué et ça a donné d'abord une sénéchaussée et maintenant la ville de Pointe-à-Pitre. Si on parle de la création et du développement de la ville, il y a bien sûr un certain nombre de gens dans le passé qui ont contribué à l'extension, à l'assainissement de la ville. Je pense notamment à Peigné, je pense notamment à Denry, je pense également à Armand Anne, un de mes prédécesseurs de la fin du siècle dernier, qui lui aussi a fait des travaux d'assainissement très importants. Je pense à Félix Séboué, sur le plan de l'aménagement de la ville. Sur un plan politique, indiscutablement, les grandes figures, la grande figure de Pointe-à-Pitre, c'est bien sûr Légitimus. Jésus Légitimus, qui a été non seulement maire, mais conseiller général et député de la Guadeloupe. Qui a fait énormément de choses, mais qui a surtout réalisé la promotion de la catégorie de la population la plus nombreuse. Et il a fallu attendre la fin du siècle, c'est-à-dire 1892 et plus particulièrement 1898, pour que le mouvement de Légitimus, qui a été un mouvement à la fois socialiste, rattaché au mouvement socialiste français de Jules Guesde et de Jaurès, et mouvement négriste également, pour que justement il y ait cette explosion de la classe noire et que cette classe noire arrive à la fois à accéder à l'enseignement secondaire, mais également à accéder à des postes de responsabilité politique.
suis né à Pointe-à-Pitre au centre-ville, non pas à Nouvelle-Ville, j'habite maintenant la Nouvelle-Ville, je suis né au centre-ville. Ma mère est née au centre-ville, mon père est né au centre-ville, mes grands-parents également. Par conséquent, il y a donc cette relation affective. Et le fait également que j'ai été élevé à Pointe-à-Pitre. Ce sont des liens très forts. Alors, indépendamment de ça, il y a ce souci de réparer également des injustices, parce que j'ai été témoin également de la façon dont les enfants, dont les familles pauvres vivaient dans les environs, dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre. Ces enfants qui étaient forcés de faire la queue devant des fontaines en sortant des classes pour pouvoir prendre de l'eau, ne pouvant pas bénéficier d'un endroit où se déshabiller ou coucher indépendamment des parents. De sorte que pour toutes ces raisons aussi, je suis attaché à Pointe-à-Pitre et à son évolution, à sa rénovation, à son embellissement. Quand je suis revenu comme cardiologue, tout à fait par hasard, je me suis trouvé premier adjoint faisant fonction de maire, à l'époque même où la rénovation se mettait en place, ce qui fait que j'ai été là pour signer les premiers accords, pour donner le coup de pouce aux premiers travaux de la rénovation urbaine. Il y avait quand même à Pointe-à-Pitre énormément d'arbres. La plupart des cours avaient des arbres, c'était des cocotiers, c'était parfois des arbres fruitiers comme les kénétiers, comme les manguiers. La couleur verte en quelque sorte dominait et de cette couleur verte végétale sortaient, émergeaient de temps en temps des toitures rouges ou des toitures vertes. Nous avons adopté le poinsettia comme fleur caractérisant Pointe-à-Pitre et c'est cimoise rouge, cimoise vert, c'est une plante qu'on appelle cimoise rouge, cimoise vert, par conséquent, bien que ce soit une plante récente, mais on a l'impression au fond qu'elle est venue en quelque sorte sanctionner un choix ou une réalité antérieure. Quand nous faisons en face de la mairie une place des Martyrs de la Liberté, c'est à la fois pour relier l'histoire de la Guadeloupe et de Pointe-à-Pitre à l'histoire générale de la région, mais également avec Toussaint Louverture, avec Salvador Allende, etc. Les touristes qui abordent la Pointe-à-Pitre doivent avoir un spectacle et une sensation assez particulière, dans la mesure où c'est la seule ville, je crois, la seule ville où on puisse entrer de plein pied en quittant la traversée océanique, aborder de plein pied en plein centre-ville et avec déjà tous les attributs d'une ville organisée. Dans la Caraïbe, Pointe-à-Pitre sera un point central très important. D'ailleurs, même sur le plan des distances, Pointe-à-Pitre est à la fois à égale distance des différents points extrêmes de la Guadeloupe, mais également Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe, par conséquent, est au milieu de l'arc antillais depuis la Floride jusqu'au Venezuela. Par conséquent, Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe sont appelés à jouer, à rayonner, à jouer un rôle en quelque sorte de centralisateur. Moi, je pense effectivement que ceux qui ne sont plus là appartiennent bien sûr au passé, mais ils ont laissé énormément de témoignages qui font que nous y pensons quotidiennement comme s'ils étaient encore présents. Sans compter que nous pouvons, nous, parler aux générations, à nos enfants parleront à nos petits-enfants, par conséquent, il n'y a pas de crainte, à mon avis, de ce point de vue.